cheveux ou ap kase, ou gen chit, ou gen problème santé, ou besoin conseil sur nutrition ak sport, émission bien-être et beauté, c'est un espace côté nous discuter des impacts la santé, la propreté ak environnement gagné sur bien-être moun. Émission bien-être et beauté a passé chaque samedi 7h PM, mardi 7h AM, vendredi 4h PM. Émission bien-être et beauté, c'est une émission tout neuf qui passe chaque samedi à 7h PM. Relais Centraca dans 43 06 42 85 pour information. Émission bien-être et beauté pour être belle et en santé. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonjour, bonsoir, bienvenue dans l'émission Bien-être et Beauté. Une émission qui passe chaque samedi à 7h PM, chaque dimanche à 2h PM, chaque mardi à 8h AM. Jeudi à l'émission Bien-être et Beauté, comme d'habitude, nous portons une belle émission pour vous, parce qu'elle intéresse nous toutes, filles et garçons, parce que normalement, problème de santé concerné pour tout le monde en général. Et comme nous disons déjà dans l'émission Bien-être et Beauté, nous portons un sujet qui est capable qui bail problème de bien-être et nous-mêmes nous côté solution pour vous, pour capable bien la paix d'esprit ou. Comme d'habitude c'est moi-même Léonie de Rose infirmière trichologiste qui a dit ou prends tiches bord les amours pour venir suivre une belle émission. Jodi a nous va parler de kyste nan ovaire avec un spécialiste un gynécologue. Nous gagne comme invité docteur Grégory Boger qui nous dit bienvenue encore une fois dans l'émission Bien-être et Beauté. Et docteur Grégory pas venu dans l'émission pour la première fois, il était fait un il était bien passé dans l'émission qu'il était fait déjà. Je dis à me souhaiter qu'il va bien passer, c'est slogan à la mode, pas vrai doc? Bon oui, pratiquement merci Léonie De Rose et nous saluer tous les téléspectateurs téléspectatrices qui déjà branché et nous profiter de l'occasion ça pour nous féliciter non seulement pour l'émission cap vraiment bah, des informations importantes mais aussi pour Centraca qui est même de plus en plus a fait la différence dans le domaine cosmétologie, soins des cheveux, etc. Vous la suivre, docteur? Ah oui, monsieur. Vous suivre. Client voye pour nous, vous êtes satisfait? Oui, justement. C'est feedback là, très positif sur le marché. Eh bien, d'accord. Justement. Merci. Bon, on a continué sur le même lancé ou bien améliorer exact. Le plus. Donc, docteur Boger, on a parlé de kyste dans l'ovaire et qui ont dit genre sonné. Tout le monde connaît ça, ça veut dire kyste dans l'ovaire. Comme si, vous dites, c'est, normalement, c'est fille qui a l'ovaire, c'est maladie. La caille femme. Exact. Est-ce que son maladie liée ou bien c'est qui ça son bagage normal puisque presque toute fille gagne. Bon, en fait et avant même que nous rentrions dans le débat, faut dire que et sujet c'est syndrome des ovaires micropolykystiques. Bon, naturellement en termes de kyste de l'ovaire, il y a toute une catégorie de kyste, ça dépend de l'origine, mais qui compte développer dans ovaire. Donc ça veut dire une fille qui gagne ovaire et capable gagne kyste dans ovaire là. Même genre qui gagne l'autre organe qui gagne l'autre type de problème, mais ovaire c'est des organes qui très ciblés par développement ça nous les kyste. Est-ce que les gens qui ont kyste dans l'ovaire, kyste dans sein, c'est même et même kyste là? Bon, en fait, c'est pas même kyste là, mais en pile fois, y a qu'on gagne même étiologie. Par exemple, influence hormonale parfois, les œstrogènes, qu'on bail des kystes au niveau du sein. Et en pile fois, tout sont déséquilibre hormonal, tout qui bail kystes au niveau des ovaires. Puisque c'est des organes qui sont très sensibles à hormones, par exemple, œstrogènes, donc ça arrive très souvent. Ouais, nous avons un docteur qui est très pointu aujourd'hui. Vous comprenez, docteur, parlé d'étiologie. Bon, il y a qu'on gagne même cause. Vous comprenez, doc? Comme vous l'avez interprété, médecin, docteur, il y a même origine, il y a même. Ok. Donc, pas un problème. Vous mettez pointu, moi-même, comme pas trop, pas pointu du tout. Nous toujours parler pour le public là, très bien édifié. Non, pas un problème, parce que le public là, en pile. Nous, dans le domaine, dans tout, et puis, bon, nous véhiculer des informations. Très bien. Ok. Est-ce que à quel âge une fille qui a commencé à gagner kyste dans l'ovaire? Bon. En fait, et par exemple, on a parlé du syndrome des ovaires micropolykystiques. Il a toujours parlé de, par exemple, c'est âge de procréation, âge d'activité, dans âge de reproduction fille. Ça veut dire à partir de 18 ans jusqu'à 35 ans, vous êtes capable de gagner des kystes de l'ovaire. Surtout, et ça nous relie le syndrome des ovaires micropolykystiques. Bon, quelle forme d'affaire définir syndrome des ovaires polykystiques là parce que moi je connais créole là parce que moi toujours dit mon yo est difficile pour parler médecine en créole. Exact, exact. Il est très très difficile. C'est vrai. Et souvent mal l'aise comme ça c'est parce que mon carrière comme infirmière
en santé communauté, en formation, comme si je parlais langage mon yo, je suis dans le monde, je suis en dehors, je suis en bon côté. Il faut jouer un moyen pour faire mon yo comprendre ce que je dis. Donc, mais si je suis comme si je définis une licence en infirmière, et puis je suis juste dans la ville, là, et puis je suis au chevet, donc je suis en langage populaire. Là. Exact. Donc, je ne suis pas condamné, médecin. Moi-même, moi fais carrière tout et dans la province. Mm-hmm. Moi très comprendre et en pile et information, en pile tabou qui gagne. Moi très comprendre et très moi communiquer facilement avec. Syndrome polycystique, non, ça lié. Par définition. Bon, par définition, n'a juste font un petit bref rappel historique. Syndrome des ovaires micropolycystiques. En fait, l'air du syndrome, non, c'est plusieurs symptômes que vous venez définir pour vous bail qui sac syndrome des. Parce que normalement depuis 1935 lorsque 2005 parce que vous relé le tout syndrome maladie de Stein et Leventhal. Et lorsque 2005 à Chicago en 1935 t'es découvert Irvin Stein et Michael Leventhal, nèg ça yo t'es découvert et bien des moun qui gain obésité et puis yo gagné trouble de l'ovulation qui associé et puis là yo fait sonographie yo gagné de gros ouvert. Bon, nèg yo vinn wè plusieurs cas comme ça. Et puis, yo vin dit que gagné son syndrome nié. Mais maintenant, à travers le temps, yo essayé définir qui sa syndrome des ovaires micropolycystiques là, jusqu'à ce que en 2003, à Rotterdam, que yo te font consensus pour yo dit que gen trois critères qu'on supposé respecter pour yo dit qu'on gen syndrome. Ça très intéressant. Trois critères. Oui. Premièrement, c'est est-ce qu'on gagne un problème et à l'ovulation ou bien problème règle, ça veut dire un règle qui pas ca venir normal ou du moins sous pas ovuler, ça nous relé oligoménorrhée des règles qui prend espace 35 40 etc. Ensuite, il faut que ou gagne biologiquement les al doser dans sang yo disons hyperandrogénie, ça veut dire des hormones que naturellement qui t'a supposé plus qu'un garçon que yo pral wè qui élevé dans sang et puis là on fait sonographie en tout il faut que yo wè vraiment que gen kis nan ovaire yo ti kis nan ovaire yo plus de 10 entre 10 à 20 follicules qui mesure moins que 10 mm. Bon, on va rentrer dans trop de détails. Mais quand même techniquement c'est comme ça yo définir. Ça va veut dire automatiquement qu'on gen kis nan ovaire son syndrome des ovaires micropolycystiques. Ça va veut dire tout automatiquement qu'on pas jamais wè règle régulièrement ou bon pas ovuler son syndrome des ovaires micropolycystiques. Ça veut dire sur les trois conditions réunies. Exact. Et gen critère toujours association à PCOS, ça veut dire Androgen Excess and PCOS Society aux États-Unis, t'es metté. Mais jusqu'à présent, critère qui plus est utilisé, c'est pas hauteur d'amnan qui est lui-même très ça pratique. Ça veut dire qu'il faut que mon agon irrégulier. Exact. Un type de oligoménorrhée le plus souvent ou bien oui, c'est irrégulier. Oui. Normal. Parce que pendant nous dit ça, comme moi gynécologue là, parce que dans consultation dans centre quand on vient pour cheveux, nous garder sous pas un problème désordre hormonal clinique. Exact. Sans pas besoin faire examen. Donc dans questionnement fait là, moi est-ce qu'on pas un problème. Des fois on dit règle pas venir normal non. Qui ça pas venir normal là, son question que l'attend pour régler venir chaque jour. Chaque mois, exact. Même date là. Exact. Et c'est toujours expliqué, c'est pas ça que dit règle irrégulière là. Exact. Donc pour public là, règle irrégulière là, c'est pas les règles pas venir même date là. N'a pas les que ou contrôler jour règle là et puis après 35 jours pas venir. Ben ça docteur. Exact. Entre 24 et 35 jours. Alors, et dernière étude statistique qui fait, en pile fois, il y a des livres qui mettent de 21, 40, etc. Mais dernière étude, comme si société qui concernait par question en fait, sous population féminine mondiale, là, et entre 24 et 35 jours, cycle capable normal. Donc, un monde qui a qui sauf dans des cas majeurs, par exemple, un monde qui était habitué, régulier, ou elle commence à venir décaler, par exemple, il était toujours 28 et que parce que premièrement femme dit que cycle gain deux parties la donne gon partie avant ovulation que nous les phases folliculaires ou bien l'autre phase deuxième phase après ovulation que les phases lutéales. Normalement avant ovulation cycle li variable. Ça veut dire que le capable 11 jours, capable 14 jours, 16, 15 etc. Alors que après ovulation son parti fixe lié, il est toujours 14 jours aux environs. Okay. S'il pas 14, 13 ou bien 15 mais étude montre que il toujours 14. Donc ça fait que cycle qui varie sans que c'est pas un problème que vraiment.
Donc, je pense que l'information est claire pour moi. Parce que mon petit flou n'a fait régler la caille mesdames. Il y a une règle 10 novembre. Bon exemple, la p'tite boule 10 décembre, 10 janvier. Depuis le par contre, ça, il dit irrégulier. Oui. Mesdames, information claire, c'est pas ça. C'est compté jouant. Premier jour, règle, on dit 1. Oui. Et puis, on compte jusqu'à ce que l'aile tourne encore, on dit moins 1. Parce que jouant, yeah, joue vini, on va le compter pour 1, on va le compter deux fois. Exact. Donc, c'est vraiment des informations pratiques en tant que fille, nous devons connaître. Donc, nous avons dit qu'il y a un rapport avec bien-être, mais automatiquement, que bah, l'on dérange, il faut perdre du bien-être, mais l'on a des informations en tête ou fixe, ou pas de problème ça. Donc, j'aime comprendre là, il y a des gens qui disent qu'il y a un problème et un syndrome polycystique, ce n'est pas ça. Oui, justement, et en pile fois, il faut dire que en pile symptômes qui expliquent ça, le plus souvent, premier symptôme qui mène les gens, même dans la consultation, c'est vraiment. Cycle qui pas normal, ça veut dire mon cas font mois pas réglé, deux mois pas réglé, trois mois pas réglé. Mais comme ça tout, il y a certaines situations son règle qui vient pas jamais camper parce que il y a deux types de syndrome des ovaires polykystiques. Donc il y a type 1 et type 2 tout. Maintenant, ça qui arrive que mon nan li wè règle en tout. Li vini plus souvent que d'habitude. On parle de son patte là donc. Exact. Vous êtes en Haïti, donc? Moi là. Vous êtes parti, donc? Non. OK. Parce que vous êtes en Haïti, pas en Haïti. Non, moi là, pour le moment. C'est quand on a dit ça, j'ai une explication ça. Donc, oui, parce que le problème réglant, son problème qui va, mesdames, il y a un pile problème. Oui, c'est vrai. Vous comprenez? Donc, moi-même, je dis, mon Dieu, merci. Mais il y a des filles réglant, pas venir au content. Je dis, ah, c'est de quand venir. Exactement. Et il faut profiter d'il. Maintenant, il y a un syndrome des ovaires micropolykystiques là. Et il faut dire que c'est les représenter jusqu'à 15%, les toucher jusqu'à 15% de filles qui ont âge de procréer. Maintenant, non seulement les toucher filles en âge de procréer, mais il y a un problème qui pose tout, c'est problème de fertilité. Nous, on a parlé de ça. Nous, on a privé sur lui, mais on va arriver sur lui, on a parlé de qui est l'autre problème. Pour les gens qui ont parlé de règles irrégulières, qui est l'autre problème qui a senti. Parce que sonographie, c'est le docteur qui a fait pour voir est-ce qu'il y a une présence qui est. Oui. Et puis l'autre problème de dosage hormonal, est-ce qu'il y a un dérèglement hormonal, ça n'a pas le nombre qui augmente, ça te doit gagner à l'état de trace, gagner en fort volume. Quand on a l'âme d'un homme, on a qui l'autre signe que fin absenti, qui préfère le presser, à pas de règles qui a fait la loi en docteur. Exact. Et normalement, il y a plusieurs symptômes, en pile fois qui ont émené mes dames, mais il y a d'autres symptômes qui ne pas vraiment inquiété, mais qui est important tout. Par exemple, vous n'avez pas de chambre qui a acné, et puis à cause de problèmes, parce que je pense que vous faites face à un problème sans pile, et en pile fois, c'est moi-même pour vous, c'est moi-même qui concerné, ces gynécologues-là. Parce que en pile fois, acné, gonse d'acné résistant ou mettre bah savon crème etc. Il y a pas pour aller parce que justement gagner en déficit en problème de hyperandrogénie, ça veut dire que il y a des hormones que ovaire était supposé convertir parce que ovaire là lui-même prend androgène pour le convertir en estradiol. Ça veut dire que lorsque conversion mal faite ou gon excès d'hormone calé dans sang qui fait que mon nan hyperandrogène et hyperandrogénie la cause non seulement acné en pile fois tout mesdames qu'on wè ou gèdoire mon nan mois passé al té tout mes et puis mois prochain well mes grosseur qui sur le fait que gen déséquilibre hormonal ça tout en pile fois qu'on causé que ou gagner yon excès de poids, yon gain de poids qui accéléré, qui inexplicable tout parce que après mon nan li pa manje, li wè la grossi. Ensuite tout en pile fois mon yo kon gagné des signes d'irritis, ça veut dire que mon nan poil tout côté etc. Mon nan gen doit wèl pas gen bob, li vin commencer gen bob etc. Donc tout ça ce sont des signes qui kon accompagné et gen moun tout c'est seulement yo wè te kon ovulé pendant cycle rite normal. Mon senti que le décon gonglait, il était qu'on remarqué que le décon gonglait et puis le parouel encore. En pile fois tout qu'on joue des cas, c'est ça qui mène mon à l'hôpital. Ça c'est mon qui est informé de col. Exactement. Docteur Bojé n'a fait une belle émission là et me pense nous kembe moun yon anen n'a tourné n'a pon ti pose tout côté n'a tourné pour nous font ti rappel de symptômes yo qui très intéressant et puis nous parler qui rapport qui s'en gagne avec fille qui pas ka fait petit. Ou est-ce que l'émission pas de rater, red branché n'a pas tourné. Mes amis, tendez, une bonne nouvelle. Centre Kalouvi yon l'école cosmétologie nan niveau international. Dans Centre Kalouvi l'école cosmétologie,
et stage pratique dans le pays à tant aux États-Unis, examen l'État ou même qui dans les États-Unis, c'est une garantie. Comme nous tous connaissons déjà, l'école là a dirigé par un tricologiste certifié dans l'Institut américain Tricologie. Les 20 niveaux cosmétologie, passé jeudi à même dans Delma 31, rue Jacques Premier, à côté de la Pose Hôtel. Place limitée. Pour plus d'informations, relevez dans 31 53 55 39 43 06 42 85. Avec Centrac à l'école cosmétologie, soyons des créateurs de beauté. Mesdames, chevin se fiatin? Si vous avez des belles cheveux bien fournis, mandez des produits Centrac à l'école. Gamme produits Centrac à l'école bon pour les cheveux naturels tant que les cheveux permanents. Si vous avez un grand monde qui a servi avec vous. Si les cheveux rabonnés, vous ne prenez pas permanent, vous êtes tout calé, vous n'êtes pas belle, vous faites chier, vous n'êtes pas fourni, vous avez un cap. Exigez produits Centrac à dans toute pharmacie, market et studio de beauté. Toute femme qui forme servi avec produits Centrac à l'école. Relais Centrac à l'école dans 31 53 55 39 43 06 42 85 pour information. Centrac à l'école pour une chevelure à fière allure. Centrac à l'école cosmétologie a fait tout esthéticien avec tout l'autre monde qui s'est intéressé que Centrac a gagné 4 séminaires qui programmé pour l'année qui venir. Séminaire sur tes cheveux, séminaire sur maquillage, séminaire sur traitement cheveux, séminaire sur coupe et coiffure. Séminaire ça yo a réalisé avec spécialistes États-Unis tant qu'au en Haïti. Fini vite, fini augmenter connaissance pour qu'a faire plus l'argent. Prix chaque séminaire c'est $50 américains. À partir janvier, on paye $70 américains. Passé jeudi à même dans Delma 31, rue Jacques Premier à côté la Pose Hôtel. Place limitée. Pour plus d'informations, relevez 31 53 55 39 43 06 42 85. Avec Centrac à l'école cosmétologie, soyons des créateurs de beauté. Cheveux ou cassé, ou gen chit, ou gen problème santé, ou besoin conseil sur nutrition et sport, émission Bien-être et Beauté, c'est un espace côté nous discuter des impacts la santé, la propreté et l'environnement gagné sur bien-être monde. Émission Bien-être et Beauté a passé chaque samedi 7 p.m., mardi 7 a.m., vendredi 4 p.m. Émission Bien-être et Beauté, c'est une émission tout neuf qui a passé chaque samedi à 7 p.m. Relais Centrac à dans 43 06 42 85 pour information. Émission Bien-être et Beauté pour être belle et en santé. Nous tournons après pause là, pas oublier ou suivre émission Bien-être et Beauté, une émission qui passe chaque samedi à 7 p.m., chaque dimanche à 2 p.m., chaque mardi à 8 a.m. Émission Bien-être et Beauté sont émissions qui sont supportées par Université Mont-Everest d'Haïti, qui est située dans le numéro 12 en face rue qui en face rue Elbernon. Et donc dans l'université ça, on a besoin de médecine, sciences infirmières, sciences de l'éducation, droit, donc sciences juridiques et puis sciences administratives. C'est une bonne université, concours offert pour prendre monde, c'est vraiment c'est maître Colo, docteur Colo, il a un doctorat en sciences juridiques qui est recteur université. Émission est supportée par Polyclinique Christina ou même qui garçon quel que soit problème infertilité ou gain mais puissance sexuelle ou madame ou a bon problème dans cas là c'est aller dans Polyclinique Christina ou j'ai un bon résultat avec docteur Exantus. Deux adresses pour vous servir, Carrefour Clessine et puis en face BIM non, bon adresse bien facile et puis rue Saint-Honoré numéro 94. Émission supportée par Centrac à l'école cosmétologie de standard international. Nous pas discuter ça. Donc, nous avancer avec inscription là. Pressez vite parce que place est limitée. Gain coût en semaine ou bien spécial dimanche, midi pour 5 heures pour les gens qui n'ont pas de temps, qui voulaient apprendre cosmétologie. École de coiffure en 3 mois. Formation complète, quel que soit coiffure, tissage, toute la donne en 3 mois. Je tiens à l'émission, on a parlé de syndrome polycystique avec docteur Grégory Bogé, un docteur moderne. Si vous avez besoin de rendez-vous à docteur, c'est sur internet, tout mes amis. Docteur Bogé. Mon parenthèse, docteur Bogé. Okay. Nous tournons. Nous avons parlé de. Vous avez intéressé mon pile dans ce tableau. Parce que si vous avez fait brancher, nous avons parlé dans la première partie qui est le syndrome polycystique et qui est déterminé. Et vous-même, pour qu'on ne vous pas de syndrome polycystique, il faut aller à un gynécologue.
Mes amis, si on avec tout docteur, c'est même là, c'est gynécologue qui a un problème ça. Donc, exact. Et pas aller joindre n'importe qui docteur. C'est gynécologue, un spécialiste qui est là pour ça. Longtemps, la médecine, c'était généraliste. Qu'on y a chaque problème qu'on gagne, à joindre un spécialiste qui est concerné pour ça. C'est ça, il faut que le problème de cheveux vienne joindre Léonie, qui est spécialiste dans les exact. Cheveux. Donc, nous parlons de l'autre syndrome associé. Vous avez parlé de monde qui pas problème ovulation. Ce n'est pas un pareil que n'importe qui est cerné. Exactement. Comme ça, dysménorrhée pas la donne? Bon, dysménorrhée pas fait partie vraiment de symptômes. Donc, c'est parce que dysménorrhée pas oublié que son, par exemple, il y a dysménorrhée primaire qui est même depuis l'elle formée, il y a dysménorrhée secondaire. Parfois, ou quand il y a dysménorrhée dans quatre ovaires et syndrome des ovaires micropolykystiques là. Mais c'est pas un symptôme typique pour dire que c'est un motif qui fait mon yo vini comme si consulter. En pile fois mon nan ka vini pour dysménorrhée secondaire et puis dans investigation ou est que t'ai gagné ça tout. Donc ça qu'on rivé mais nous pas mettre le premier symptôme clé que ou supposé rechercher automatiquement. OK, l'autre question que me gagne concernant ovaire non, on t'a parlé de l'autre signe associé qui capable d'identifier pour faire identifier, on t'a parlé de cutis. Donc yon là dans retour, mon n'a pas perdu cheveux. Exact. Que parce que les plus souvent mon n'a pas perdu cheveux, elle vient joindre moi en tant que spécialiste en domaine cheveux et santé. Donc nous référons au gynécologue pour aller régler problème hormonal ou problème acné ou problème l'autre bagaille. Donc ça c'est parce que ça fait si on a bagaille comme ses cheveux, mon ne peut pas prendre pour bagaille isolé. Lorsqu'il y a un problème cheveux ou un problème santé direct. Exact. À part de soins, de mauvaises pratiques de soins ou bien marronner, charlatan qui travaille dans tête ou cause un bagaille mécanique. Mais problème santé direct et problème cheveux et gain son problème santé direct rapport qui avec infertilité est-ce que le docteur qui dit mon nom faut opérer tout de suite sur le fond timon le docteur qui dit faut faire timon avant font une démarcation dans ça moi non qui l'a demandé mon nom pour faire petite l'avant qui l'a demandé pour l'opérer avant bon en fait et selon ça qui gagne disponible dans science là actuellement parce que c'est jusqu'à présent c'est un syndrome qui était un défi et pour la science en termes de prise en charge parce que prise en charge là c'est vraiment une prise en charge de maintien tant comme dans radio par exemple mon navini il y a un problème ovulation il y a un problème problème cycle premier prise en charge il y a des objectifs que nous fixer par exemple ovulation, il faut le faire. Nous fixer comme c'est objectif. Un objectif, c'est retourner avec une ovulation qui est normale. Ensuite, pour nous avoir un cycle qui est normal. Tout. Et en pile fois, pour arriver à un cycle normal, si nous avons un surpoids ou bien une obésité, nous obligé, parfois, nous même voyons que nous diététicien, pour perdre du poids que nous besoin, pour que nous avons un indice de masse corporelle qui est normal. Et à ce moment-là, parfois, perdre du poids. Peut-être pas seulement qu'on permette que le cycle régularisé. Ou qu'on soit dit là qui ça fait l'intéressant, c'est parce que moi, les gens qui ont un problème, il y a le docteur X, il n'y a pas qu'à attendre. Après ça, il y a le docteur Y, il n'y a pas qu'à attendre. C'est un gros bar, vous dites. Moi, les gens qui ont un problème, ils ont une parole. Pas un docteur qui a une solution miracle. Rester avec mes médecins et à suivre. Et pour avoir une solution. Parce que c'est le même côté où étudier, c'est le même livre. C'est le même livre-là, c'est le même prise en charge-là, c'est ça la science disposée, c'est ce n'a pas capable d'utiliser. Et en pile fois, il y a un premier facteur qui est difficile, qui rend le traitement difficile, c'est le surpoids ou bien l'obésité. Parce que normalement, une fois que nous sommes obèses ou bien nous sommes surpoids, qui s'est passé, gagner ça aurait l'insuline comme nous qui augmenté, résistance à l'insuline qui sont hormones que nous connaissons, qui pral agit ensemble avec l'autre hormone, le LH, qui agit sous ovaire. Mais qui vient faire un cycle, vicieux, ça veut dire ovaire là vient pas à bien travailler. Ti follicule ça yo ti qui ça yo que ou regarder yo pas ka évoluer parce qu'il y a produit de mauvais hormones
c'est parce que le produit mauvais hormone même qui fait mon grossir en pile et c'est la production mauvais hormone ça yo qui fait que à long terme on pense nous n'a et parler de ça dans l'émission que on va avoir des conséquences parce que gen moun par exemple et lorsque yo pas avoir règle du moins fait 3-4 mois pas avoir règle bon pas de problème libéré me connait des douleurs OK elle même pas besoin petit ça qu'on arrive qu'on joine des patients qui dit bon ça va intéresser ou bien ou bien petit déjà ça ça bon problème mais non il y a des conséquences qui capable découler de ça et c'est des conséquences que graves ou car un cancer de l'endomètre parce que justement lorsqu'on pas ovulé corps humain en fait pour ovuler ou encore en fille en fait l'homme humain fille quand fille ovulation est obligatoire parce que justement si c'est pas enceinte ou enceinte lorsqu'on fait 1 à 2 ans pas ovulé gagne ça relé endomatrice partie interne matrice que relé endomètre là qui vient gain trop influence hormonale sur lui et lorsque il subit trop influence il va commencer épaissir ou carbon hyper tout comme si on hyperplasie les carbon polype et de hyperplasie en capacité de hyperplasie simple à hyperplasie complexe jusqu'à ce qu'on arrive dans cancer de l'endomètre et gagne tout diabète type 2 qui très fréquent quand il monde qui fait syndrome ovaire micropolykystique secure et gain l'autre bail tout gain des complications cardiovasculaires yo estimé que yo moun ki obèse à cause de ovaire micropolykystique à un certain âge risque d'infarctus du myocarde là multiplié par 7 par rapport au monde normal donc ça veut dire qui pareil qui simple hein son bail son sujet passionnant pour nous parce que dans pile monde qui vive avec en pile fille à vivre ensemble avec ovaire polykystique et me connais en pile parce que dans domaine côté j'aime dire avec dossier qui bien monté dans les m'a fait évaluation tes cheveux surtout cosmétologie acné ça avait dit dans dossier de consultation me gain information ça au de monde et automatiquement que monde dit me gon cycle régulier il gain s'il te suivre docteur te fait examen pour le gon cycle polykystique me dit la loin gynécologue donc les ça monde ni même ni plus ou moins pour le informer pour le prendre des mesures pour pas arriver dans complication et c'est ça un objectif émission ça c'est faire prévention à deux niveaux prévention primaire sous pour qu'on gagne problème yo et ça comme tout dit mon yo par exemple des fois émission sûrement avec docteur Walden Célestin pour mon yo al font check-up chaque année il pas coûte en pile comme faire le test pratique exact vous comprenez donc il est sorti dépenser moins pratiquement oui pour y a non prévention seconde et secondaire sous t'es déjà un problème non pour pas arriver dans phase terminale avec lui donc nous cas jusqu'à présent sous deux préventions primaire et secondaire donc mon yo ouais avec qui se lance pour un bagage petit exact. Qui ça ou beaucoup répondre question non non. Qui lève pour opérer pour qui? Qui lève pour opérer pour qui? Bon et qui rapport gain en fait petit ou pas connait. Bon voilà et une première cause et d'infertilité que identifie actuellement c'est infertilité soit infertilité primaire ou du moins secondaire une première cause c'est ça. Une cause qui plus fréquent et qui représente jusqu'à 10% de problèmes d'infertilité c'est ça. Naturellement il pour cause d'infertilité irréversible. Ça veut dire que c'est pas que ou gain syndrome des ovaires micropolykystiques qui ou bon problème définitif. Non, nous capable goumer, nous capable faire traitement jusqu'à ce que nous rejoignent ovulation et parfois tout qu'on a des ovulations sporadiques. Il doit c'est pas même docteur qui te ba aucun traitement ou qu'on doit mon yo rivé gen mon qu'on dit moi même par exemple mon anecdote mon patiente moi c'est li fait traitement là ca moi li bout ko jam jwenn aucun résultat qui ça pral bal résultat son travail que le jwenn et puis tellement content qui non travaillant li travaille la nuit et que li perd du poids là nan gym en même temps et que li tout enceinte. Bon voilà et que son monde qui t'a puis cherche en grossesse et puis bon voilà mais qui gens que le donc pour dire que parfois c'est des ovulations sporadiques qui fait pour le comme ça mais li important pour que prise en charge en fait maintenant opérer et autrefois par exemple en pile fois que pote ko gagné et vraiment en pile médicament pote ko gagné des prises en charge assez modernes yo te pensé que opération par exemple le syndrome des ovaires micropolykystiques opération pas va faire grande différence mais ça les drilling ovarien ouvrir votre monde pour driller ti kisyo li pas font différence c'est toujours
wap toujours risque pour récidiver li toujours là. Et c'est toujours même bagaille. Donc vous opérer gain chance pour vous gain risque pour le réparer encore. Exact. Et le traitement médical là tout c'est toujours même bagaille. Par exemple, on moun gain droit sous traitement automatiquement commencer prendre poids ou gain droit pas de ou t'es normal, gain moun qui conn vinn rive perdre du poids ou normal ou du moins moun qui pas gain poids surpoids déjà qui vinn gagner surpoids et puis symptômes yo retourner. OK. Ça arrivé. Non mais qu'on y a là parce que ça m'a dit là m'a répété ça patient ou qu'on dit client m'a dit au patient cliente moi qu'on dit. Exact. Gain de docteur qui dit ah j'aime moi là faut ta font ti moun en vont opérer pour qui cela. Est-ce qu'il y a une position pour qui cela pour moun en fait ti moun avant lui opérer ou bien faut qu'il opérer avant dans cette. Bon, moi même et pratiquement qui ça que yo bay comme explication modalité comme si qui méthode qui gagne pour faire prise en charge là. Automatiquement que mon vinn fait traitement yon men objectif yo c'est l'ovulation. Donc si son moun qui gagne objectif pour qui gon désir de grossesse par exemple, eh bien nous travaille de manière à ce que mon jeune ovulation pour faire petit là. Mais maintenant cette histoire d'opérer qui sa opération ça va le porter en termes de qualité en prise en charge là ou du moins en termes de bien fait est-ce que automatiquement mon opérer le préal enceinte etc pas nous pas la science pas identifié le comme ça au contraire gain dans dur cas et dans syndrome des ovaires mycopolykystiques et you baili aux États-Unis à association Androgen Access and PCOS Society yo bay façon prise en charge en fait son prise en charge qui censé universel ce sont des médicaments que yo associé bon moun ki nou pa besoin de dans les détails ce sont des médicaments que yo associé pour que ou joine un cycle qui régulier et qu'on joine ovulation c'est ça l'objectif parce que sans l'ovulation ou pa ka gen grossesse. OK. Donc c'est ça. Maintenant opérer. Tu vas opérer quoi par exemple? Tu as des ovaires qui gagnent des kystes dans eux, des microkystes ou driller. Problème là son problème intrinsèque lié et que son ben follicule qui a grandi qui est bloqué. Et ovaire là nous connaît que depuis par exemple dans ménage ça veut dire depuis les petits monde formé nous avons environ 400 000 follicules et chaque cycle a environ 15 qui sélectionnés pour gagner une qui arrive à maturité. Oui. Mais maintenant, dans le syndrome des ovaires mycopolykystiques, nous avons qui est sélectionné qui pas arrivé à maturité, pas gagner une qui arrive à maturité et nous avons des follicules qui bloqué, qui ont des défauts de maturation qui viennent faire que ou pas à l'ovulation. Mais maintenant, brille les follicules, ou a toujours une sélection encore, et puis qui est bloqué dans la route. Très bien. Donc, bien content pour l'information, ça, parce que je me sens édifié, et je pense que public langage assez clair pour le public comprendre. C'est assez simple. Oui, plus ou moins, parce que je ne pas trop interprété aujourd'hui. Hein. Oui. Donc, nous avons un petit coup de pause, nous avons tourné pour quelques conseils et finalités émission. Centraka l'école cosmétologie a fait tout esthéticien avec tout l'autre monde qui s'est intéressé que Centraka gagne 4 séminaires qui programmé pour l'année qui va venir. Séminaire sur tes cheveux, séminaire sur maquillage, séminaire sur traitement cheveux, séminaire sur coupe et coiffure. Séminaire ça yo a réalisé avec spécialistes États-Unis tant qu'au en Haïti. Fini vite, fini augmenter connaissance ou pour qu'a faire plus l'argent. Chaque séminaire, c'est $50 américains. À partir de janvier, vous allez payer $70 américains. Passez jeudi à même dans Delma 31, rue Jacques Premier, à côté de la Pause Hôtel. Place limitée. Pour plus d'informations, relevez dans 31 53 55 39 43 06 42 85. Avec Centraka l'école cosmétologie, soyons des créateurs de beauté. Mesdames, chevin se fiatin? Si nous avons des belles cheveux bien fournis, mandez produit Centraka yo. Gamme produit Centraka yo bon pour cheveux naturels tant que cheveux permanents. Si moun kon grand moun ka servi avec yo. Si cheveux rabonnés, yo pa prennan permanent, bote tout calé, yo pa bel, yo fè chit, yo pa fourni, yo gen cap. Exigez produit Centraka yo dans toute pharmacie, market ak studio de beauté. Toute femme qui femme servi ak produit Centraka.
Relais Centraca dans 31 53 55 39 43 06 42 85 pour information. Centraca pour une chevelure à fière allure. Mes amis, tendez, une bonne nouvelle. Centraca ouvre une école cosmétologie dans niveau international. Dans Centraca l'école cosmétologie et stage pratique dans pays à tant États-Unis, examen l'état ou même qui dans États-Unis, c'est une garantie. Comme nous tout connaissons déjà, l'école là a dirigé par un tricologiste certifié dans l'Institut américain Tricologie. Les 20 niveaux cosmétologie passé jeudi à même dans Delma 31 rue Jacques 1er à côté de la Pose Hôtel. Place limitée. Pour plus d'informations, relez dans 31 53 55 39 43 06 42 85. Avec Centraca l'école cosmétologie, soyons des créateurs de beauté. Cheveux ou ap kase, ou gen chit, ou gen problème santé, ou besoin conseil sur nutrition ak sport, émission bien-être et beauté, c'est un espace côté nous discuter des impacts la santé, la propreté ak environnement gagné sous bien-être monde. Émission Bien-être et Beauté a passé chaque samedi 7h PM, mardi 7h AM, vendredi 4h PM. Émission Bien-être et Beauté, c'est une émission tout neuf qui a passé chaque samedi à 7h PM. Relais Centraca dans 43 06 42 85 pour information. Émission Bien-être et Beauté pour être belle et en santé. Nous tournons après pause, pas oublier ou suivre émission Bien-être et Beauté, une émission qui passe chaque samedi à 7h PM, chaque dimanche à 2h PM, chaque mardi à 8h AM. Émission est disponible sur YouTube, on y tape émission Bien-être et Beauté et ou j'en en pile en pile sujet qui intéresse ou bien intéresse zanmou ou bien intéresse famille. Jodi a nan émission Bien-être et Beauté, n'a débatté ouvert polycystique. Donc faut nous avant nous by docteur à rentrer faut nous saluer et sponsor nous yo qui permettent nous rester en vie et jusqu'à présent on a invité l'autre monde tout venir supporter nous dans émission Bien-être et Beauté parce que n'a dit nous remet émission mais faut que nous aider émission rester en vie vous comprenez donc et il y a monde qui supporter il y a monde qui bon habiller il y a monde vous comprenez tout gens donc il y a monde tout cap aider nous payer émission donc on attend l'autre monde. Émission est supportée par Polyclinique Christina qui est sponsor officiel émission 1 et Polyclinique Christina il y a deux adresses pour servir vous c'est dans Carrefour Clercine en face BIM nan. Et puis rue Saint-Honoré et docteur a travail tous les jours et selon horaire j'on qui côté besoin est-ce que c'est dans Carrefour Clercine nous besoin docteur Exantis ou bien c'est dans rue Saint-Honoré donc son docteur dans clinique chaque jour 9h pour 5h donc ou là 9h pour 4h ou là on besoin docteur Exantis c'est un frère c'est un ami donc il est habitué dans l'émission Bien-être Beauté il décide supporter nous ou gain impuissance sexuelle ou gain problème infertilité au garçon pas qu'à faire petite ou pas qu'à enceinte madame donc ou par abay rendement al joine docteur Exantis ou besoin faire circoncision ou gen prostate ou gen problème marocou so gen c'est al joine docteur Exantis dans deux adresses polyclinique Christina et émission supportée tout par Université Mont-Everest d'Haïti donc Université Mont-Everest c'est situé sous Bois Vernard et rue qui en face rue Elbernan c'est comme rue Elbernan plus connu au numéro 12 donc docteur Boje, l'émission est dans la dernière ligne droite. Li. Conseil. Bon, en fait. Ça vous fait d'amis au fait. Exact. En termes de conseil, en pile fois, ça dépend. Et puisque nous ciblons en pile facteur là, nous te parlons de yo. Et pendant parler de problème, monsieur, pas qu'à faire petit là, en pile fois tout. Mesdames, yo kon traité et puis c'est monsieur qui a un problème. Oui. Donc faut nous clair sur ça parce qu'en pile fois j'en dis là, en pile découragement parce que son bail qui m'a dit vraiment motivation qui pas un traitement calé droit au but comme si vous faites 1 plus 1 la bail 2, son bail qui m'a donné patience etc. Maintenant en termes de conseils qui ça que le plus souvent nous prodiguer pour jeunes moun en âge de procréer. Yo. Premièrement, c'est surveiller cycle. Ça veut dire que yon moun ou supposé observer corps, ou supposé vraiment veiller est-ce que cycle normal, est-ce que ou ovulé, est-ce que comme si ça yo c'est des observations de personnel qu'on supposé faire pour le que y a varié.
ou ka konnen. Ou ka konnen. Mais maintenant, pas oublier que yon moun ki gen obésité, même l'on pa gen problème syndrome des ovaires mycopolykystiques, si ou obèse, li déjà prédispose à li et même si tout pendant qu'ou gen la ka vin ran ou obèse, mm-hmm. mais yon moun ki en surpoids en pile fois li ka vin prédisposé à li. Parce que insuline. Monsieur Haïtien, si vous remet la chair. Quand on t'a dit, mesdames, vous avez obèse. Bon. En plus, fois, c'est vrai. Parce que les filles ont passé l'enfant, nous disons, depuis les SMS, même si moi-même, je dois la donner tout, parce que son mentalité haïtienne. Mais monsieur, en plus, fois, à la base de. Oui. Du problème ça comme si ah mon c'est en forme donc ça même pas qu'à mettre tête moi du là-dedans mais quand même parce que son haïtien mieux mais pas tout le monde dirait lâche moi d'accord bon donc yeah donc son mentalité maintenant l'état préférable que yon moun qui est capable kembe yon hygiène non seulement en hygiène alimentaire nan sa que ou ap manger ou manger plus fruits plus légumes ou éviter les comme si les glucides comme ça en pile pâte et trop glucides trop graisse mm-hmm. OK en pile foie gen moun se graisse farineux en pile viande qui mm-hmm. avec tout poyo qui plein graisse mm-hmm. donc li préférable qu'on gon hygiène alimentaire qui vraiment en régime mm-hmm. et bien qui bien équilibré avec les légumes avec les fruits mm-hmm. Qui très bien équilibré ensuite tout l'exercice physique qui mm-hmm. très important mm-hmm. mais ça va vle dit moun qui monsieur pas ka faire tout oui. parce que gon catégorie de moun qui très mince mm-hmm. svelte qui gagne syndrome de qui gagne maladie qui gagne syndrome des on n'a pas les facteurs de risque oui exactement et gen ti moun tout depuis leur formé yo commencé gen immaturité accent mm-hmm. ça veut dire gen ti moun qui kon formé yo formé nan mois ça yo fait formé oui par exemple ti moun nan fait formé le règle après 2 3 mois 6 mois li pa wel, li wè wel encore. Mm-hmm. Ça le plus souvent c'est pas un syndrome, nous pas ka di que ti moun sa gen tan gon syndrome mm-hmm. des ovaires mycopolykystiques. En pile fois son immaturité de axe hypothalamo hypophysaire. Ça veut dire que système qui là pour régulariser axe là. Mhm. Régulier kon poko mature et ça vient faire que moun nan et ti moun nan kon même recevoir des parents affolés. Mm-hmm. Et qui vini avec Timonan, il était où elle t'a parlé avec un petit garçon dans quartier et que depuis l'elle pas ouais réglé comme quoi Timonan t'a enceinte mm-hmm. et le plus souvent c'est pas vrai mm-hmm. son question de immaturité de l'axe donc m'a vle moun yo confondre mm-hmm. avec un monde qui a des problèmes d'ovulation qui a syndrome des ovaires donc hygiène alimentaire en fait régime diététique exercice physique que nous connaît qui bon pour plus fort bagaille pour santé mm-hmm. son bagaille même là pas de pièce maladie au moins au monde et actuellement mon fond dit que bah yo vinn plus facile pour nous mm-hmm. longtemps ou t'obligé même nan gym ou besoin un trainer mm-hmm. un monde qui pour dou mais qui ça pour faire mm-hmm. qu'il y a avec un smartphone mm-hmm. ou ka gagner même la caillou mm-hmm. ou gagner des applications qui dou mais qui exercice pour faire mm-hmm. ou ka fait 7 minutes seulement mm-hmm. yo dou exercice qui ka kembo en santé pendant toute journée et même permettre ou perdre du poids etc. donc il est vraiment facile oui bon il facile vraiment oui. Donc on t'a dit un bagage concernant est-ce que ça pas un problème si ti moun nan formé trop bonne ça pas gain rapport ça pas faire rien bon quand gain des cas de puberté précoce et avant 8 ans et me songe que lorsque moi était dans service social ou du moins pendant que moi t'a travail mm-hmm. en province et gain un ti moun nan zone fort liberté je crois ou du moins trou du nord mm-hmm. de toute façon dans département nord de ça qui mm-hmm. lui même t'est en puberté précoce OK il était il était 4 ou 5 ans oh. Oui il était dans l'âge ça yo côté que il était tété ou elle semble une demoiselle pendant dans l'âge ça il formé avant là il pas fait test pour c'est pour un cancer ou l'autre bagaille bon malheureusement pas de nouvelles de suivi qui était fait pour lui comprendre donc c'est ça donc nous émission arrive dans dernière ligne droite là car la dit émission en sens c'est fini avec docteur Bouger ou pas grand dernier pour l'autre bon et ça m'a dit c'est que en pile froid et il y a des couples qui connent vraiment ça fond dit
Et ça n'a pas dit là, nous avons dit simple, mais parfois, li, même quand on atteint des niveaux psychologiques et même des stabilités au niveau du foyer, et parce que pas oublier que dès que deux personnes sont mariées, et les mois qui suivent, et par un garçon surtout, et en plus, fois, un garçon qui a un problème. Mais bon, par un garçon, même, il a été en position que petit n'a pas un problème. Ok? En pile fois, si un an passé, deux ans passé, ça qu'on y veut que il y a des gens qui commencent à fourrer bouche et qui ont des problèmes enceintes. Et ça qu'on fait tout une déstabilisation, comme si on instabilité dans le foyer du point de vue émotionnel et même sentimental. Ça qu'on même à la base que soit monsieur a fait petit dehors, etc. Donc, c'est un problème qui est très complexe. Ça n'a pas dit, c'est que il y a des gens qui atteint pour problème ça ou supposé gain patience pour suivre docteur et ou supposé tout très motivé pour que ou appliquer conseil tant que conseil diététique que l'a dit là nous connait en pile monde pas aimer faire sport et en pile monde tout même sur des régimes alimentaires diététiques etc. il y a pas pour observer le vrai mais son effort lié et tout temps ou prend plus bonheur li plus bon parce que pas dire donc c'est concernant dormir. Les gens qui pas dormi au travail en nuit, ça a un déséquilibre hormonal qui fait que vous venez obèse, vous mangez mal. Parce que les gens qui travaillent le soir, dans le thème de conseils, bien que nous faisons une émission sur l'insomnie, sur le problème de sommeil, trouble de sommeil, donc qui a un pile problème de santé c'est vrai, et qui a un déséquilibre hormonal. Ça, justement, que les gens. Parce que bon Dieu fait à l'argent, vous lèvez vous dormir, vous lèvez vous travail, oui, mais nous, nous déranger l'horloge interne que bon Dieu mettait. C'est ça, je me dis. Je te remets de continuer. Donc, c'est ça, et nous souhaitons que vraiment, les gens qui ont des problèmes, ça n'ont pas tant que vous avez fait un an, deux ans avec un problème de règle qui n'est pas venu normal, qui prend deux, trois mois qui pas venu, ou du moins vous appelez des grossis sans que vous n'avez pas vraiment changé le régime alimentaire, ou manger même genre, ou du moins vous avez un problème d'ovulation, et parfois tout c'est des problèmes de fertilité qui mènent les gens, parce que vous faites deux, trois ans mariage, vous avez beaucoup de petit et puis vous venez. Donc, l'important pour que vous fassiez comme gynécologue, et lorsque vous avez un problème ça, ou du moins tout, parfois c'est même. Non, check-up de dépistage, de routine, et que vous découvrez, bon, voilà. Parce que, pas oublier, il y a une spécification, il y a un point important que nous devons dire, il n'est pas toujours comme ça. Et syndrome des ovaires micropolykystiques, pas toujours bail des cycles qui espacé ou du moins parfois, on ne pas bail irrégularité menstruelle, bon, pas ovuler. Parce que, il y a un type 1, côté que ou gen hormone LH là qui très élevé et type 1 qui rapport là supérieur ou gen type 2 tout côté que type 2 lui-même ou ka toujours gon cycle qui normal et même au niveau sonographie ou gen doit pas gagner des microkystes gens que le doit paraître là mais c'est parenchyme ovarien qui augmenter de volume donc en pile dans critère yo pas respecté dans type 2 moun nan ka toujours gen cycle normal li ka toujours gagner tout presque tout et bilan hormonal li normal mais li gen syndrome nan et le ça c'est des petits problèmes d'ovulation qui permettent ou connait il y a moun k'ap gade là qui dit oh un docteur ça parlait bien là moi le maîtriser sujet am ta mal kay docteur ça qui côté ap jwenn docteur Boje non mais même c'est Delma 31 et numéro 26 et complexe médical polyvalent ou du moins tout moun yo ka aller sur gregoryboje.com OK gregoryboje.com yo ka pran rendez-vous du moins et par 38 27 60 52 yo capable de joindre moi dans numéro ça ou du moins sur gregoryboje.com non parce que moi mais ça ah oui et donc c'est facile nous faciliter que mon yo vraiment ouais numéro on commence si on demande ni pas gain dans tête moi exact donc c'est 38 27 60 52 y a joindre moi sur Facebook y a joindre moi sur gregoryboje.com et yo même ka garder vidéo des vidéos qui vraiment éducatives qui ka instruire sur série de sujets. D'accord, c'est ton plaisir pour te gagner docteur Boje et m'a dit mon yo docteur a vraiment c'est à la dernière seconde pour un docteur a donc c'est zami émission l'aime jeune monde dépanner comme ça donc me garder ça go. Et avant nous aller n'a rappeler que Centraca école cosmétologie inscription yo a pas avancé jusqu'au 17 septembre et école de coiffure nous j'en nous dit c'est un jour par semaine un jour de travail par semaine soit venir lundi soit choisir groupe lundi hein, et 9h pour 2h ou bien dimanche midi pour 5h c'est en 3 mois ou un diplôme non mon métier non mon qui travaille à tête ou bien dans salon qui cherche compétences que
Femme tout dit public là, c'est première école de coiffure en Haïti de standard international. Son l'école là vinn la donne ou pas pral joindre un contrat mariage et puis pour dou pain tout monde cortège la même genre. Ou pral gon cou qui relé visagiste capedo déterminer taille mon visage mon nan qui gens pour pain pour le belle. OK? C'est mon bagage joindre tout monde affaire. Donc ou connait centre cap à faire ba yo comme ça. Donc c'est une formation standard international pour coiffeuse que n'a fait en 3 mois en cours vraiment de haut niveau. Et n'importe monde qui vient dans cours de coiffure va mettre critères intellectuels, n'importe monde qui vient nous besoin remen, ou besoin gain attitude pour lui. Et li pas cher parce que n'a font en promotion pour lui, li pas vraiment pas cher, son petit crasse monnaie. Et pas oublier me dit nous pour anniversaire, me fait nous cadeau 10 demi bourse dans cours coiffure là. Vinn prendre mais pas dans cosmétologie donc. Cosmétologien n'a pas avancé avec inscription j'en nous dit ou même qui intéressé pas gain temps en semaine gon cours midi pour 5 heures chaque dimanche pour monde qui intéressé donc quel que soit soit faire les dimanches ou ka venir dans cours ou bien temps fait tout ça gain pour faire pour capable venir adresse en facile c'est Delma 31 rue Jacques Premier tout prestation tap tap là écrit Santraka et pour en descendre nous travaille chaque jour même jour dimanche excepté samedi donc même les jours fériés quelque chose service ou besoin dans Santraka service de diagnostic service produit service soins capillaires ou besoin faire une application de quelque soit produit ou besoin faire une coupe d'entretien c'est dans Santraka pour venir pour pas regretter l'argent on regrette l'argent regrette temps donc venir dans Santraka et vous capable reler dans 31 53 55 39 ou bien dans 43 06 42 85 pour information sur WhatsApp. Avant d'aller m'a porter une petite précision pour mon yo, les nous écrit sur WhatsApp, il pas ka ba nous toute information tellement gen moun k'ap mande, nous bon information primaire pour capable permettre ou venir et puis ou bon toute information ou pas écrit pour capable faire choix de l'école là. Donc bienvenue à Santraka pour école de coiffure, école de cosmétologie. C'était avec ou Léonie De Rose, infirmière tricologiste k'ap di ou. Bye bye, li remen en pile. Cheveux ou cassé ou gen chit ou gen problème santé ou besoin conseil sur nutrition ak sport émission bien-être et beauté c'est un espace côté nous discuter des impacts la santé la propreté ak environnement gagné sur bien-être monde émission bien-être et beauté a passé chaque samedi 7h p.m. mardi 7h a.m. vendredi 4h p.m. émission bien-être et beauté c'est une émission tout neuf qui a passé chaque samedi à 7h p.m. Relais Santraka dans 43 06 42 85 pour information. Émission Bien-être et Beauté pour être belle et en santé.